Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papa Blogueur. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau serveur Minecraft qui s'appelle Legend of Survive. Donc, je vous laisse là devant l'adresse du serveur et du port pour pouvoir tester par vous-même. Donc, voilà. Donc, on va y aller. Je n'ai jamais encore mis les pieds dedans. C'est juste, on m'a demandé, justement, c'est un jeune serveur. On m'a demandé si je pouvais faire une petite vidéo dessus pour en démonstration. Donc, on va voir ensemble commencer. Voilà. Donc, on doit être ici. On doit être au spawn. Pourquoi je ne peux pas bouger? J'ai un problème, déjà ça commence bien. Please register using register password. Bon, déjà je ne peux pas. Bah, donc je peux rien faire, super. Et dans ces cas-là. Bah, j'ai pas de register password. Je sais pas, on verra bien. Voilà, il fallait simplement mettre son login en gros. C'est pas très bien indiqué. Donc voilà, on a ES, sud-est, ouest, donc on a le nord. Bon, d'accord, ça c'est pas mal. Ensuite, donc on peut pas voler, je pense pas. Non, je vais tenter au cas où. Mais ça m'étonnerait que je puisse voler. Petit bonjour. Fake it. Ah bah c'est sympa, quelqu'un qui met tout de suite. Voilà. Qui reçu. Ah. Merci. Il n'y avait pas de E. Hop. Hop. Une hache, du bois. Ça peut toujours servir. Et voilà. Ensuite, il se passe quoi? Là, si je vais là, c'est... Ah bah, je peux mettre mes choses dedans. C'est cool. Donc déjà, on peut sauvegarder ses affaires dans un coffre de l'Ender. Ça, c'est pas mal. Ah, oh, bon, on va aller voir le shop, tiens. Hop, on descend. C'est pas mal fait, hein. Assez joli. Donc ici, on a un shop fermier. Si je clique sur le fermier, il passe quelque chose. Non, je sais pas comment on fait, mais bon, c'est pas grave. Kit nom. Ah, voilà, j'aurais dû regarder ça tout de suite. Kit nom, kit apprenti, guerrier, etc., etc. Donc en fonction de ce qu'on fait... On a des kits. C'est pas mal. Donc je découvre comme si que n'importe qui arrive. Hein. Enchanteur, forgeron. Je clique là-dessus. Ah, c'est en cliquant sur les ustensiles. Christophe, c'est moi qui parle. On mine. Ouh. D'accord. Là. Il se passe quoi? Ici, c'est quoi? Mineur. Parce qu'il y a quelque chose, sûrement, j'en pas. On découvre. Ça, c'est marchand journalier. Hop. Il doit y avoir des commandes, hein. Je ne les connais pas encore. Il faut que tu sortes du spawn. D'accord, ok. On va aller faire un tour dehors. Hop, on remonte tout en haut. Ah, bah, il fait jour, ça va être plus sympa. Je ne sais pas où ça va. Il y a sûrement... Pour moi, il doit y avoir des fonctions, hein. Je ne les connais pas encore. Sur le serveur Discord, il doit y avoir les... Alors les commandes, il faudra que je regarde. Mais en tout cas, Christophe 12, merci à toi, tu es super sympa de m'aider comme ça. Pour voir un peu... Ah, il m'a TP. C'est bon, hop, je suis où? Je suis là. Ah, super. Donc Christophe m'a téléporté ailleurs, hors du spawn et de la warzone, c'est pas mal. Ah, donc on a peu d'avoir, non, ça n'a rien à voir ici. Donc après, bon, ça reste un serveur Minecraft. Bon, ça me fait drôle de ne pas pouvoir voler. Hop, donc ça reste un serveur Minecraft, faire sûrement sa base quelque part, ses constructions. De mémoire, il y a du PVP, donc ça doit être sûrement la warzone là-bas. Après, moult commandes. Hop. On va aller où? En bas, il y aura de l'eau comme ça. On va se mettre où? En bas, sur l'île, là, ça va être chouette, là. Hop. Hop. Je vais me faire un trou, là. Et je vais voir si je peux pas me faire un cet homme quelque part. Bon, hop. On met ça devant, à la place. Et j'aurai la lumière, comme ça. Bon, tranquillou, on va se faire ça. Classique, je prends la table de craft,
dans un coin. Ok, super. Merci. Donc il est possible de faire un setup. Je viens de faire un setup maison, là, juste pour sauvegarder. Comme ça, quand je quitte le spawn, j'aurai au moins une résidence. Voilà, tranquille. Ce qu'il me faudrait, c'est des torches. Maintenant, il y a un coffre. Bon. Pour mettre le bazar dedans. J'ai du charbon, j'ai cru en voir tout à l'heure. Bon, bah après, ça reste du serveur survie normal. Pas de grande surprise, en tout cas ça lag pas, ça plante pas, c'est déjà pas mal. Ah bah il y a du charbon. Et bah profitons-en pour faire du charbon, pour miner du charbon, comme ça je pourrais avoir des torches ensuite. C'est vraiment le béaba là, on commence, y a pas grand chose à faire. Donc il y a un clairlab qui vient régulièrement, donc attention à pas laisser trop de choses. Ça m'est déjà arrivé par erreur sur un autre serveur. Je m'en suis aussi voulu d'ailleurs de couper un arbre comme ça là. Et j'avais un coffre à côté et je l'ai pas vu. En allant trop vite, j'ai coupé le coffre. Enfin, je l'ai cassé. Le contenu s'est répandu et il y a eu un clair lag juste après. Maintenant que j'ai du charbon. Hop, voilà, ça va mieux, je viens de me faire un four aussi. Donc voilà, donc c'était le minimum syndical. Alors, je vais faire un tour au spawn pour voir s'il y a d'autres choses. C'est juste la découverte, hein. Je suis pas là pour créer une nouvelle base et... etc. Donc voilà, on avait dans les ventes. Là, les ventes, on n'a pas été. Il y a, on descend. Il y a 22 packs, d'accord, oui. Et... c'est tout, y a rien. Bienvenue à vente de pack. Bon, ça c'est un petit truc, ça éclaire assez pour voir. Même si ça tient pas sur les murs, on peut voir quand même ce qui se passe. Bon, je reviendrai quand il fera jour parce qu'il semblerait que la nuit on peut pas voir grand-chose. Donc là après, là-bas c'est quoi? Bienvenue. Kit apprenti pour commencer, ensuite traverse la warzone. C'est quoi? Créer la première base avec cet homme. Nom de la base, bonne chance. Donc là-bas, c'est quoi? Shop, on a déjà été. Ici, c'est quoi? Information. Ah, ça m'intéresse. Information. Les hommes. Pour mettre un homme, cet homme. Pour être un homme, del homme. Pour aller un homme, homme plus un nom. Les warps, voire plus non. Ah, ça peut être un peu intéressant. Shop entre joueurs. Shop de jeu. Commande, monnaie, monnaie, etc. etc. Pas de problème. Les kits. Kit plus non. Kit show non. Dire sans kit. Ok. Donc j'aurais dû commencer par là. Ça aurait peut-être été plus simple. Différents grades. Apprenti, guerrier, demi-dieu, mini youtubeur, dieu, youtubeur. Etc. 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 Donc là pour l'instant il n'y a pas encore, mais il y a des grades comme partout. Voilà, donc au moins un petit peu d'enseignement, c'est pas mal. Ensuite, ici il y a shop, le box, tiens, il y a des box, donc des box de vote sûrement. Alors, box, d'accord, donc si on peut acheter des box. Voilà, il faut des clés, les clés on les trouve, ou alors on les achète. C'est assez classique en fin de compte comme survie. Bon, il y a eu quelques couacs au début, c'est ce que j'ai vu sur le Discord, mais maintenant là il a l'air d'être bien lancé. Je ne sais pas, attends, est-ce qu'il y a d'autres joueurs déjà? Je suis tout seul. Bah, Christophe, il est parti. Donc là je suis tout seul. Faudrait que je repasse par ici pour voir quand il y a du monde, pour discuter un peu. Bon, en tout cas, il est stable, hein. Le serveur est stable. Donc ça, ici, on doit être dans la Warzone. Bon, la déco, bon,
déco classique. Tout cas, la voisine est assez grande, hein. Généralement, on est de plusieurs centaines de blocs. Donc là, si je commence à monter, on va commencer à... Ah bah si, il y a des monstres quand même, c'est ce que je voulais voir justement. Donc là, il y a quand même des monstres la nuit. Ils peuvent venir dans la warzone? Eh oui. Et si je te tape dessus, toi, il se passe quoi? Progression. Ah, pas mal, ça je viens juste de voir. Donc on a des... c'est juste par hasard hein, que je l'ai vu. Il y a des jobs qui sont natifs, on va dire. La progresseur, j'ai tueur de monstres là. Donc il doit y avoir sûrement d'autres jobs ensuite pour pouvoir évoluer. Est-ce que je peux mettre une torche ici? Non, elle ne veut pas. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide de démonstration du serveur Legend of Survive. Qui, bon, il a l'air bien stable, bien sympa. Donc là, c'est donc le spawn avec toutes les options. Donc je vous conseille aller voir chaque bloc, chaque entrée explicative. Donc avec les box, donc c'est moins intéressant. Juste pour vous donner une idée de comment on commence. Ensuite, c'est enjoy, quoi. Il suffit d'aller se balader, de créer sa base. En tout cas, c'est joli là. Hein. Ça fait pas mal avec le lever du soleil. Donc les nuits sont assez courtes. Ça, c'est pas mal. C'est pas trop long à attendre, en espérant que les journées soient pas aussi courtes que les nuits. Donc après, c'est de l'exploration. Donc sur ce, cette petite vidéo de présentation du serveur Legend of Survie est terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager et vous abonner à ma chaîne. Merci.